step down plutôt gros quand même. C'est beaucoup trop gros. Allez. Go! Ouais! Oh oui! Oh! Avant de commencer cette vidéo, je voulais juste aussi vous dire merci beaucoup parce qu'on vient de passer les 400 abonnés, donc c'est super cool, merci beaucoup. Je suis aussi malheureusement un peu blessé au poignet, rien de grave, mais voilà, j'ai fait un gros TB et je suis tombé dessus malheureusement, bah, j'ai pas filmé. Deux petites semaines d'arrêt, vraiment rien. Et aussi, j'ai remarqué que vous êtes 80% à regarder mes vidéos, mais à pas être abonné. Donc vraiment, n'hésitez pas, abonnez-vous, soutiens la chaîne et c'est vraiment cool. Et comme ça, vous serez informé à chaque fois que je sors une vidéo. Donc merci beaucoup, merci pour les 400 abonnés et voilà, bon visionnage. Bon. Donc on a un step down ici. Et après on a une énorme rampe. Donc ici boom step down. Donc step down plutôt gros quand même. Il est derrière les trucs. On pose ici. Et après on a ce machin. Ah là ça fait peur. Ouais. C'est énorme. C'est beaucoup trop gros. Mais en vrai, je pense que ça passe. Tout le monde me dit que ça passe, mais en fait, avant, elle était plus proche et la récepte était moins haute. Donc tout le monde pouvait la passer. Moi, je l'avais pas faite avant ça. Et du coup, là, maintenant, ils l'ont reculé, rehaussé et ils ont augmenté la récepte. Donc ça fait vraiment un énorme machin, quoi. Donc ça, ça fait peur, quand même. Puis donc, le début de la ligne, je vous montre vite fait. C'est là-haut. Donc c'est ici le début de la ligne. Arrive depuis là, boum. Premier step down, petit truc, c'est juste pour se mettre dans la descente. Après tu descends. Step up ici. Tu poses là et puis il faut prendre large dans le virage. Pour se mettre en fait droit sur celui-là, il faut pédaler parce que du coup bah, t'as pas la speed sinon. Ou à part si tu pompes vraiment beaucoup, mais première c'est mieux de pédaler. En large tu poses, puis après bah, tu pries et puis tu y vas. Hein? Là, j'étais bien. Allez. Ouais. Let's go! Oh. Oh. Oh.